Depuis 1975, Bléret n'avait pas connu plage sur ses rives, en fait dans le lit du Cher. Espace naturel, accessible, gratuit et maintenant surveillé. D'ailleurs, en cas de problème, ce peut être Valentin, sauveteur de l'association Aqualife Saving, qui vient à la rescousse. Alors, en piscine, on va être un petit peu plus strict sur le règlement, comme les shorts de bain, faire attention quand les gens vont sauter dans l'eau, qu'en plan d'eau, c'est un peu plus libre. Il faut juste respecter de ne pas sortir hors des limites de la baignade autorisée, et puis c'est bon. Pour garder le caractère naturel et sauvage du Cher, la mairie a le droit à l'élagage, au nettoyage, mais pas à la transformation du site. En contrepartie, les poissons viennent saluer les nageurs observateurs. Au fond du Cher, on voit des petits poissons sympas. Quand on est pêcheur, ça fait toujours plaisir. On voit des goujons, on voit des barbeaux, on voit des petits gardons, des vandoises. Voilà, des petits poissons qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, nous pêcheurs du bord de la berge. Donc c'est plutôt agréable et l'eau elle est plutôt claire, donc c'est sympa. Et puis un cours d'eau, une plage, des enfants qui jouent, ce sont aussi des plaisirs nostalgiques. Je suis originaire de l'Indre et toute notre enfance, ben écoutez, nous on n'allait pas très loin, hein, on n'avait que nos petits vélos et on se baignait dans les étangs. Et là, de voir ça, mais ça me donne un coup de jeune, je trouve ça super. Ici, le Cher a fait des siennes cette année. Alors après tous les dossiers à valider en préfecture, il a fallu le feu vert de l'Agence régionale de la santé, après un contrôle de l'eau valide fin juillet. À côté de la piscine, du camping, la plage de Bléret est là pour attraper les touristes, les cyclistes, les passants au vol. Et pourquoi pas les fixer? On a installé au printemps des abris cyclos dédié aux cyclotouristes au camping. La Loire à vélo traverse Bléret par des cheminements. On a les commerces du centre-ville qui sont à 100 mètres de Bléret plage. Espace naturel vivant, le Cher requiert à Bléret comme ailleurs. Aujourd'hui, comme il y a 41 ans, une précaution. Il n'est pas inutile d'avoir des sandales en plastique.